Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand chose. Comment ça, pas grand chose? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Monsieur Mallet? C'est un ancien client que j'ai défendu. Ouais, t'es accusé de quoi? Stup. Il y a rien de bon là dans ces cartes? Y a pas une petite éclaircie quelque part? Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce moment-là. Mais non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenue dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Mais tu veux là? Je dînais à la sortie de l'école. Non, je plaisante. Non, mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Ouais, ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Salut! Salut! Tu fais là, David? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles quand même. Tu connais le blog de ton ex? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non. Pas de témoin humain, mais Jacques. Son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, il n'y a pas de fond. Je vais te faire avaler ton arrogance de petite pute du 7e. Saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers. Je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas. Hein? Donc, je vais y aller. Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, moi, je garde les enfants. Il est complètement stupide ou quoi? Mike is a good kid, man he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé.